Salut, salut tout le monde. Je suis là. Moi, c'est Monsieur Sima. Je suis le PDG de simahost.com. Eh bien, je suis dans mon magasin actuellement et je fais cette vidéo pour vous parler d'un seul sujet. Si vous voulez avoir une réussite financière ici au Canada, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, il y a trois choses que vous devez faire si vous devez avoir une réussite financière ici au Canada. La première chose, c'est ça ce que je vais faire maintenant. Donc, là, il n'y a plus de clients. Il est tard dans la nuit. Vous devez faire ce que Steve Jobs faisait. Vous devez faire ce que Bill Gates faisait. Vous devez faire ce que Elon Musk faisait. Si vous ne connaissez pas tous ces gens-là que je viens de citer, alors tournez-vous vers Google et faire quelques recherches. Vous allez savoir qui sont ces gens-là. Comment est-ce qu'ils ont commencé? Colonel Sanders, celui qui avait fondé KFC, donc Kentucky Fried Chicken, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faisait. Ou bien Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, qu'est-ce qu'il faisait et pourquoi il est devenu aussi financièrement riche et puissant dans la vie, malgré que aujourd'hui, tout le monde veut avoir l'argent rapide et personne ne veut plus faire ce que ces gens-là qui ont eu du succès dans le passé et dont leurs œuvres continuent à avoir du succès aujourd'hui. Les gens ne veulent pas faire ça. Tout le monde veut la gratification instantanée. Mais je suis là pour t'enseigner trois choses que tu dois accepter dans la vie ici au Canada si tu veux absolument te rendre riche et aussi libre financièrement. Libre et avoir le temps aussi de jouir de ça. Dormir quand tu veux. Travailler quand tu veux. Faire tes propres cédules, donc ton propre horaire, quand tu veux. Alors, on commence. Donc là, présentement, dans cette vidéo, il n'y aura pas de filtre. Je coupe rien absolument. Là, je vais passer la mop. C'est la première des choses que tu dois accepter pour vraiment faire quand tu travailles pour toi-même. Parce que j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu peux te dévouer à aller travailler ailleurs pour quelqu'un d'autre? Tu peux nettoyer, on te donne des jobs et parmi les tâches que tu as, c'est le nettoyage. Peut-être tu vas nettoyer le fesses de quelqu'un. Peut-être tu vas nettoyer le bureau de quelqu'un. Peut-être tu vas nettoyer le terrain de quelqu'un pour que tu sois payé. Mais quand il s'agit de le faire pour toi-même, tu abandonnes. Alors, n'abandonne pas. Prends le courage de faire des choses aussi pour toi-même. C'est la première des choses. Quand tu le fais pour les autres, aie aussi le courage pour le faire pour toi-même. Alors, si tu n'as pas commencé à faire des choses pour toi-même, c'est le moment de commencer. On est en 2020, on est au mois de juillet 2020. C'est la première des choses que tu dois penser maintenant. Si tu ne l'avais pas fait dans le passé, regarde comment est-ce que tu peux le faire maintenant. Si tu n'as pas d'idée, tu peux venir me voir, on va en discuter. Je vais t'aider dans quelques idées et puis voilà, tu vas avoir un coup de pouce. En passant, c'est gratuit, je charge rien absolument. Pourquoi je fais ça? C'est parce que quand moi je suis venu au Canada, il y a les gens qui m'ont aidé moi aussi et je ne les avais rien donné. Ok? Ils voulaient juste m'aider, ils m'ont aidé et puis c'est tout. Ne demande pas trop de questions. Donc voilà, ça c'est la loi d'attraction, l'univers, le karma, appelle ça comme tu veux. Tu es prêt à faire des choses pour toi-même? Alors regarde-moi. Je vais ajuster la caméra, comme je t'avais dit. Je coupe rien dans cette vidéo ici. Alors, donc là, on va nettoyer le plancher. C'est la première des choses qu'on va faire. Tu dois accepter de travailler comme Bill Gates travaillait de son débit. Tu dois accepter de travailler comme Elon Musk travaillait de son débit. Tu dois accepter de travailler comme Jeff Bezos faisait dans ce débit. Et aujourd'hui, ces gens-là sont les grands de ce monde. Quand on parle philanthropiquement, quand on parle financièrement et quand on parle des affaires, en fait. OK? Donc, ils étaient là, dans les couloirs, dans les sentiers,
Ils étaient en train de bâtir, ok? Non, ils ont nettoyé mon frère, ils ont nettoyé ma sœur. Donc ces gens-là, ils ont travaillé acharnement, des longues heures, ils ont travaillé. Et toi aujourd'hui, tu veux juste la gratification instantanée. Donc tu veux que les choses te soient données. Non, tu dois mériter les choses, ok? Tu dois y mettre du temps, tu dois apprendre, en fait. Tu dois sacrifier un peu. C'est momentané, c'est pas pour toujours. Dans ces gens-là, si tu peux avoir un bon iPhone aujourd'hui, c'est parce que Steve Jobs a sacrifié. Il y a quelqu'un quelque part qui a sacrifié du temps, du talent, sa famille, les temps qu'il devrait être avec sa famille. Il est en train de bosser. Et finalement, toi aujourd'hui, tu es en train de jouir de ce fruit-là. OK? Mais à un prix. Alors, tu veux être grand? Parmi les grands de ce monde. Alors, acceptez de prendre la mop et nettoie comme eux, ils avaient nettoyé dans le passé. Alors, tu vois, ici, je nettoie pour moi-même. Ça, c'est mon magasin, sur le magasin de ma famille. Alors, est-ce que tu peux accepter de prendre la mop? Tu prends déjà la mop, peut-être pour quelqu'un d'autre. Là où tu fais la sécurité, je ne sais pas moi. Là où tu travailles, je ne sais pas si c'est à l'hôpital. Là où tu travailles, peut-être on te dit, va nettoyer le bureau du patron, va nettoyer la voiture du patron. Ah, ok, il y a un malade quelque part, va nettoyer les fesses de quelqu'un qui est malade. Ok? Donc ça, c'est des choses que tu fais pour l'argent. Maintenant, si on te dit de le faire pour toi-même, pourquoi pas? Est-ce que tu peux accepter de nettoyer mon frère? Est-ce que tu peux accepter de nettoyer ma soeur? Tous ces gens-là de ce monde, quand ils ont commencé leurs entreprises, ils ont dû à un certain moment nettoyer pour eux-mêmes. Voilà, ça c'est la première étape que tu dois accepter. Que dans la vie, tu dois accepter de faire des choses pour toi-même. Tu veux t'en sortir, tu veux t'en sortir financièrement. Il y a des choses que tu dois accepter de faire au début pour toi-même. Par après, quand tu vas grandir, tu vois, j'avais commencé mon aventure avec 2 500 $. Ok? Alors, toi, tu dois aussi accepter de commencer quelque part. Donc, première étape, tu dois accepter de nettoyer. Si tu vas avoir l'argent en banque, voilà. Ça, c'est la première étape. La mop. Tu dois accepter ça. Tu dois nettoyer ta tête. Ok? Tu dois passer aussi la mop dans ta tête et accepter que pour être grand, tu dois commencer petit. Donc, ta tête doit changer. La façon dont tu penses mentalement, ça doit changer. Ça, c'est la première étape. Je n'arrête pas de marteler ça. Tu dois accepter de passer la mop dans ta tête. Tu dois accepter de passer la mop dans ton propre magasin. Tout ce que je vais inculquer dans ta tête, c'est pour te dire que tu vas passer des heures à aller travailler pour quelqu'un d'autre. Je répète encore. Tu vas passer des heures, toi. Tu vas passer des heures en train de travailler pour les autres. Tu vas aller nettoyer dans le bureau de quelqu'un. Tu vas aller nettoyer dans la cour de quelqu'un, chez un patron. Tu vas aller nettoyer la voiture de quelqu'un. Tu vas aller nettoyer quelqu'un ou bien quelqu'une, un malade. Le corps. C'est l'expression que j'utilise. Mais est-ce que tu peux nettoyer pour toi-même? Tu peux penser que le temps que tu es en train de nettoyer quelqu'un d'autre, tu peux commencer quelque part là où tu peux nettoyer pour toi-même? Ça n'a jamais cliqué dans ta tête? Tu penses que toi, tu as été toujours destiné pour nettoyer pour les autres? C'est toi qui peux toujours aller au travail pour les autres, mais tu ne peux pas aller au travail pour toi-même. Alors, pense la façon de changer les choses. Tu dois changer la façon dont tu penses. Alors, la mop. J'ai pris la mop aujourd'hui juste pour te dire que tu dois nettoyer le cerveau. Ça là. Ça là, tu dois nettoyer ça, ok? Alors,
Tu dois accepter de passer la mop pour toi-même. Ça, c'est la première étape. Hein. Alors, deuxième étape, on va faire ça au tableau. OK? Je coupe rien. Je voulais juste te montrer cette étape ici. Voilà. On va passer aux deuxième étape. Je vais prendre ça. Je vais mettre à côté ici. Pas loin. Ça va être là. On va déplacer la caméra. On va l'amener ici. OK? Donc, ça, c'est une vidéo qui va te révolutionner. Te révolutionner, mais pour des biens. Hein? J'ai fait ça, c'est pour... C'est juste pour t'encourager, mon frère. C'est juste pour t'encourager, ma soeur. OK? Si tu es immigrant comme moi, tu es venu au Canada sans rien. Peut-être tu es venu avec tes parents. Peut-être tu es venu seul. Alors, il y a des choses que tu dois changer si tu veux que les choses changent dans ta vie. Voilà. Donc, ça, c'est un magasin. Mais c'est un studio YouTube en même temps. OK? C'est un bureau aussi en même temps. Donc, tu peux transformer le magasin comme tu veux. OK? Alors, je t'avais parlé de la première étape. Maintenant, je vais te parler de la deuxième étape. Est-ce que tu peux apprendre des compétences? Regardez. Donc là, ici, on utilise cet espace ici pour réparer les ordinateurs. OK? On utilise cet espace ici pour nettoyer et réparer les ordinateurs. Maintenant, le temps que tu es là et tu es en train de travailler pour quelqu'un d'autre, comme je t'avais dit, tu dois nettoyer ta tête au lieu d'aller toujours nettoyer pour les autres. Tu dois te nettoyer aussi. Voilà, deuxième étape. On va passer au tableau. Juste ici, au tableau ici. Je vais t'expliquer la deuxième chose et la troisième chose que tu dois faire ici au Canada si tu veux t'enrichir financièrement et réclamer la liberté de ton temps. Alors, voilà. Je règle la caméra juste comme ça. On va passer aux deuxième étape. Je sais, sois patient avec moi parce que les choses que je vais te dire dans cette vidéo, ça va te révolter. Ça va te révolter, mais d'une bonne manière, ok? Ne t'en fais pas. C'est d'une bonne manière que ça va un peu bouleverser la façon dont tu penses, ok? Tu n'es pas venu au Canada juste pour regarder les autres réussir, n'est-ce pas? Tu n'es pas venu dans ce beau pays pour regarder comment est-ce que les autres sont en train de réussir, sauf toi. Là où tu vas travailler, tu ne te demandes pas comment est-ce que ce patron-là est devenu patron. Comment est-ce qu'il a eu l'argent pour t'engager et te payer des salaires. Toi, tu ne peux pas penser à ça. Réfléchis un peu. Tu penses que toi, tu n'es pas meilleur que cette personne-là pour qui tu travailles? Tu as des meilleures choses en toi. Tu es aussi bon que la personne à qui tu travailles, qui te paye un salaire. Mais seulement, il y a une limitation que je vais enlever dans ta tête. OK? Alors, on parlait ici, c'est quoi? C'était le sujet du jour. Comment réussir au Canada? OK? Je pense que ça, le marqueur ici, c'est pas une bonne qualité, mais... On va changer de marqueur. Alors, comment réussir au Canada? Comment réussir au Canada? OK? Comment réussir au Canada? Quand je dis réussir, je parle de finances. Je parle de temps et argent. Voilà. Comment réussir au Canada en termes de temps et d'argent? La première des choses, je t'avais démontré de l'autre côté
que tu devrais absolument et tu dois le faire. Ok? Tu dois accepter de nettoyer. Pour un débit, tu dois accepter de nettoyer. Ok? Ça, c'est pour un débit. Quand tu te diriges vers la liberté financière, tu dois accepter de nettoyer des choses pour toi aussi, pas seulement pour les autres. Donc, tu dois accepter ça. Tu ne penses pas que toi, tu es venu au Canada juste pour aller nettoyer pour les autres. Tu dois aussi nettoyer pour toi-même. Ok? Alors, change la mentalité. Le nettoyage, il y a plusieurs choses à faire pour nettoyer sa tête. Alors, je t'avais montré un exemple là où je passais la mop. Ça, c'est mon magasin à moi. Donc, j'ai nettoyé pour quelqu'un d'autre dans le temps. Maintenant, il y a 11 ans que je suis en train de nettoyer pour moi-même. Demain, ça va être quelqu'un d'autre qui nettoie pour moi. Ok? Donc, au débit, toi, tu nettoies pour quelqu'un d'autre. Étape numéro 1. Nettoyage pour quelqu'un d'autre. Ça peut être une entreprise, une personne, un patron quelque part. Quelqu'un d'autre. Ça, c'est étape numéro 1. Tu nettoies pour quelqu'un d'autre. Étape numéro 2. Parce que tu ne vas pas rester là-bas. Il ne faut pas rester ici longtemps. Hein? Donc, nous, on a commis des erreurs. On a resté ici pendant longtemps. Étape numéro 2. Maintenant, tu vas nettoyer pour toi-même. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Le temps que tu es en train de travailler pour quelqu'un d'autre, tu montes aussi ton affaire à côté. Ok? Le temps que tu es en train de nettoyer pour quelqu'un d'autre, deuxième étape, tu vas commencer à nettoyer pour toi-même. Ça veut dire que tu montes ta boîte. Il y a plusieurs façons. Donc, si tu ne sais pas comment faire, il y a plusieurs business que tu peux commencer à faire. Tu peux même commencer à la maison. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand magasin comme moi ici. Je n'ai pas commencé comme ça. Okay? Moi, j'ai commencé, je faisais porte à porte. Ça veut dire que j'ai circulé partout à Montréal, à pied, sans voiture. Et là, j'y allais. OK? Donc, jusqu'aujourd'hui, bon, je n'ai pas de voiture. Je voyage vraiment avec les avions. Donc, la voiture, je peux l'avoir quand je veux. Je loue si j'en ai besoin. Là, je prépare pour mes enfants. OK? Est-ce que tu penses que tu peux nettoyer pour quelqu'un d'autre pour un petit moment? Si tu as déjà surpassé cette étape ici, tu peux passer au numéro 2. Là où maintenant, tu vas fonder ta boîte. Si tu ne sais pas comment, je vais te donner des idées gratuitement. Viens me voir. Venez au 4212 Sainte-Catherine-Est, ici à Montréal. Vous pouvez toujours me rejoindre au 514-449-4821. Et ça, c'est de 5h p.m. à 11h p.m. Pourquoi je fais ça? C'est juste une façon de donner à la société, moi aussi. Parce que quand j'étais encore nouveau ici au Canada, il y a de cela 25 ans, ok? N'attendez pas beaucoup d'années. Si ça fait juste un an, deux ans que tu es ici, attaque. Attaque directement. Peut-être dépasse ce nettoyage ici pour quelqu'un d'autre. Commencez à penser comment est-ce que tu peux lancer ta boîte et commencer à nettoyer pour toi-même. Tu dois accepter ça dès le début. Tu dois accepter ça dans ton mental. Et si tu fais ça, tu es encore nouveau au Canada et tu es en train de suivre cette vidéo, tu vas aller loin. Mais si tu as perdu beaucoup de temps ici au Canada, et là, tu ne sais pas comment te retrouver, mon gars, cette information est gratuite. Tu ne payes rien pour. Alors, prends ton téléphone, appelle au 514-449-4821. Je vais te donner des idées. OK? Parce que moi, j'ai déjà l'expérience. J'ai 11 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur. Je travaille pour moi-même. OK? J'ai travaillé pour quelqu'un d'autre. Dans le passé, j'ai travaillé pour Bell Canada, j'ai travaillé pour Vidéotron, okay? J'ai travaillé pour Wendy's, donc j'ai cuisiné dans les restaurants Wendy's. Ça, c'est dans mes arrivées au Canada. Okay? Mais seulement, comme je te dis,
Tu nettoies là-bas. J'ai nettoyé chez Wendy's pour quelqu'un. C'était un restaurant et c'est toujours un restaurant aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent le restaurant Wendy's, j'ai travaillé là-dedans. Moi, j'ai travaillé chez Wendy's. Dans mes arrivées au Canada, j'ai travaillé chez Wendy's. J'ai travaillé chez A&W. J'ai nettoyé là-bas. Aujourd'hui, je nettoie pour moi-même. Après avoir travaillé ici, j'ai travaillé pour Bell. J'ai travaillé pour Vidéotron. Après, j'ai travaillé pour moi-même maintenant. Moi-même. Donc, c'est mon magasin. C'est moi qui prends l'avion. Mon passeport. Je m'en vais faire les achats en Chine. J'y reviens, je fais les dédouanements. Je fais le tracking de la marchandise. Donc, à la recherche de la marchandise, jusqu'au shipping de la Chine vers le Canada, jusqu'au dédouanement du Canada ici à Montréal, et la marchandise en entrant dans l'entrepôt et dans le magasin ici, tous les processus, je connais, moi personnellement, je l'ai fait. J'ai appris à le faire. Donc, deuxième étape, quand je t'ai dit, tu dois nettoyer pour toi-même, ça va passer par plusieurs étapes. Alors, tu dois accepter d'apprendre. Parce qu'il y a des nouvelles choses que tu ne comprends pas, ou bien tu ne sais pas. Tu dois apprendre. Tu dois accepter d'apprendre. Dans ton nettoyage pour toi-même, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et c'est là où, quand je te disais, tu dois apprendre beaucoup de choses. Si tu veux atteindre la réussite ici au Canada, tu dois apprendre dans la deuxième partie ici. Donc, il y a business, plus taxes, plus impôts. Voilà. Et tout ça, ça passe par la vente. Tout ça, ça passe par la vente. Dans cette étape ici, la deuxième étape, tu dois vendre. Tu dois apprendre comment vendre. Tu dois apprendre le business. Tu dois apprendre les taxes. Tu dois apprendre les impôts. Pourquoi? Surtout les deux ici, là. La taxe et les impôts ici. Parce que ça consomme 40% à 55%. De ton argent. OK? Donc, la taxe et les impôts, donc tu dois apprendre, tu n'as pas le choix. OK? 40 à 55%. Là où toi tu travailles, tu as une charge pour cette personne à qui tu travailles. Et lui, à la fin de l'année, il va te compter comme une dépense ou au gouvernement. Lui, il a su comment est-ce qu'il peut récupérer ses impôts. Il a su comment est-ce qu'il peut récupérer ses taxes. C'est pourquoi il t'a engagé, toi, pour travailler pour lui. Pour faire des rentrées pour lui. OK? Et toi, comme tu es juste une vache à lait pour la personne qui t'emploie, ça veut dire que toi, tu n'as rien. Tout ce que tu as, c'est payer ça. Parce que tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ça ici, tu vas finir par payer ça et ça. Donc, tu vas payer le A, tu vas payer le B. A, ça représente les taxes, le B, ça représente les impôts. Ce n'est pas mauvais de payer. On paye, nous tous, mais on sait comment aller récupérer nos impôts. Tout ce que ça veut dire, comment transformer tes dépenses en déduction fiscale. Point final, là où toi, tu vas travailler, tu es une charge pour la personne à qui tu travailles. À la fin de l'année, il va te déclarer toi comme une charge dans les impôts. Et voilà, il va récupérer ce qu'il a perdu. Voilà. Donc, j'espère que je suis en train d'entrer dans ton mental. Et là, tu comprends pourquoi absolument tu ne restes pas ici pendant longtemps. Là où tu nettoies pour quelqu'un d'autre. Tu fais des charges pour quelqu'un d'autre. Alors, si tu es capable de faire les charges pour quelqu'un d'autre, pourquoi tu as peur de le faire pour toi-même?
Pourquoi tu veux sombrer dans la misère? Tu peux conduire une voiture ici, tu peux avoir une maison ici. Ça ne dit rien absolument. Absolument zip, zéro. Aussi longtemps que tu travailles toujours pour quelqu'un, tu es un esclave de cette personne-là. C'est tout ce que tu es. Donc, parce que lui il décide comment est-ce que tu es payé, quand est-ce que tu entres au travail, il est là, il contrôle ta vie indirectement. Parce que si tu n'arrives pas au boulot, il coupe le salaire. Et quand il coupe les heures, il coupe l'argent. Qu'est-ce qui arrive quand on coupe dans ton argent? Parce que tu échanges juste le temps contre l'argent. Et si tu n'as pas assez qui entre, qu'est-ce que tu fais? Tu n'auras pas assez pour couvrir tes charges. Peut-être que tu as une hypothèque. Peut-être que tu as une voiture à location. Peut-être que tu as une voiture que tu as achetée. Ce n'est pas à location, mais tu dois payer le parking, tu dois payer le carburant, tu dois payer... Il y a beaucoup de choses qui viennent avec... Tu dois payer ton cellulaire, ton internet, ainsi de suite. Tu dois nourrir ta famille si tu es marié. Si tu es célibataire, peut-être tu vas vouloir plaire à ta copine. Tu vas l'acheter peut-être des cheveux naturels. Peut-être tu vas l'acheter, je sais pas moi, parce que tu l'aimes. Donc tu as des charges, d'une manière ou d'une autre. Tu es célibataire, tu as des charges. Tu es marié, tu as des charges. Tu es célibataire avec enfant, tu as des charges. Tu es célibataire sans enfant, tu as des charges. Tu es marié sans enfant, tu as des charges. Tu es marié avec les enfants, tu as des charges. Point final, tout ce que ça veut dire, tu as des charges. Quand tu habites au Canada, tu as des charges. OK? Donc, ce n'est pas comme si tu étais dans ton pays. Si c'est en Haïti, en Algérie, je ne sais pas moi, au Congo, RDC, comme moi, je suis originaire du Congo, RDC. Ce n'est pas pareil. Là-bas, peut-être, ta propre maison, même si c'est une hutte, c'est à toi parce que tu ne payes pas le loyer pour. Tu as un terrain là où tu peux faire ton jardin et ainsi de suite. Donc, il y a des choses que tu peux faire là-bas qui ne sont pas applicables ici. Ici, tout ce qui compte, c'est de l'argent, le dinero, OK? Tu comprends? Le Benjamin, comme on l'appelle. L'argent, c'est ça ce qui compte ici. Tu vas payer ta maison avec... Tu vas payer tes charges comme ton internet. En passant, moi, je ne paye plus l'internet. Donc, si tu veux savoir comment est-ce que moi, je ne paye plus l'internet au Canada, alors appelle-moi, je te dirai comment. Légalement, je ne paye pas d'internet, que ce soit chez moi à la maison ou bien ici dans le magasin. Okay? Le magasin que tu vois ici. Alors, si je dis le magasin, alors, si tu as commencé cette vidéo avec retard, attends, je vais juste tourner la caméra ici. Tu vas voir que voilà. Je suis dans mon magasin. Regarde, cette lumière-là, c'est une lumière de studio YouTube. Donc, le magasin, pendant la nuit, ça devient une studio YouTube. Alors, tu vois ici, regardez. Donc là, je suis dans le magasin. Je ne suis pas en train de niaiser là. Voilà, je suis là-dedans. Alors, on va retourner ici. Peut-être c'est un peu vite pour toi, mais sois patient avec cette vidéo parce que aujourd'hui, je fais ça juste pour t'aider, juste pour t'encourager à faire du business, à éviter les erreurs que nous, on a commises dans le passé. Si vraiment je savais, j'allais commencer vraiment à travailler pour moi-même depuis longtemps et ne pas passer tout mon temps à aller dans des boîtes là où il n'y a pas de reconnaissance et puis il n'y a pas assez de pension. Hein? On te ment. Là où tu travailles, on te dit tu as la pension, tu vois, ceci, cela. C'est du bullshit. Quand toi, tu vas retraiter. Aujourd'hui, un retraité a peut-être 1100, 1700 dollars. Quand toi, tu vas retraiter, toi, tu en auras combien? Tu n'auras pas assez d'argent pour vivre. En 2000, je ne sais pas moi, 50 ou bien 2000 combien, si tu es encore vivant, tu n'auras pas assez d'argent, OK? Donc, quand je disais ici, au Canada, tu as besoin de l'argent. L'argent fait tout. L'argent va acheter l'eau à boire, l'argent va acheter à manger, l'argent va payer le parking, l'argent va payer tes bills, tes factures, ainsi de suite. Donc, tu dois savoir comment le faire, comment le multiplier et comment absolument le sauvegarder et l'investir pour de belles jours à venir. Voilà. Maintenant, troisième étape pour y aller directement. Comme je te disais, je vais te donner trois choses, trois étapes ici au Canada pour avoir une réussite financière au Canada. Donc, comment réussir au Canada? Tu commences par accepter de nettoyer pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu commences à accepter le travail là où tu es. Deuxième étape, en ayant le travail que tu as, tu dois commencer directement. Ne tardez pas, ne faisais pas ce que nous on a fait. On a attendu peut-être 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans
pour se lancer en business. Ne fais pas ces erreurs-là. Ne fais pas ces erreurs-là. Je fais cette vidéo pour t'alerter, pour te dire que mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, je ne sais pas moi, tu es ici au Canada, tu es un nouveau ici au Canada, ou bien tu es déjà ici au Canada, ça fait 10 ans que tu n'arrives pas à te retrouver. Peut-être ça fait 11 ans que tu n'arrives pas à te retrouver. Peut-être ça fait 15 ans que tu n'arrives pas à te retrouver. Cette vidéo va te toucher au cœur, ok? Ça va te toucher. Alors, si tu ne sais pas quoi faire, si tu es vraiment limité, l'argent, ce n'est pas un problème. Les banques ont plein d'argent. Mais est-ce que tu es qualifié à la recevoir? Alors, si tu veux savoir comment la qualification se passe, appelle-moi. On va jaser, on va discuter. Seulement entre 5h p.m. à 11h p.m. Donc, l'argent, ce n'est pas un problème. Dans le passé, parce qu'on ne connaissait pas mieux, on pensait que c'est l'argent qui était le problème. Mais, quand on parle de nous deux, je vais te démontrer que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le problème de l'argent et ce n'est pas l'argent qui manque. Alors, troisième étape ici, c'est de commencer à investir aussi directement. Tu dois investir. Si tu ne sais pas comment, je retourne encore ici. Tu dois apprendre. Donc, tu dois investir directement. Tu dois penser comment est-ce que tu peux investir, soit dans les bons du gouvernement, dans les CELI, dans les fonds mutuels, dans les fonds communs de placement. Tu dois apprendre le langage de finance, ok? Ça, c'est vraiment la clé de tous les riches, ok? Le langage. Tu dois parler comme un financier, ok? Tu ne vas pas seulement parler. Bon, moi, je fais la sécurité. La nuit, j'ai regardé aux caméras. Il y avait peut-être des passants. Tu dois monter des rapports pour des autres. Tu montes les rapports pour les boss. Alors, pourquoi tu ne peux pas monter des rapports pour toi-même? Pourquoi tu ne peux pas apprendre pour toi-même? Et juste pour terminer, quand je te parle de finances, moi, la télévision que je suis en train de regarder, il est quelle heure là? Regardez. Ok? Regarde. Ouais, je pense que tu vas bien voir. Regardez, il est 5h du matin. Ok? Je vais aller me coucher peut-être à 6h, 6h30. Mais j'ai fait cette vidéo pour toi. Regardez, il est quelle heure? 5h du matin. Ok? Je suis en train de regarder quelle chaîne? Viens, viens avec moi. Viens, viens. Je vais te montrer. Comme je t'avais dit, on ne coupe rien dans la caméra. Ici, dans cette vidéo, on ne coupe absolument rien. Alors, regardez. Excusez pour la lumière. Alors, regarde ici. Tu vois cette chaîne-là, là? Tu connais cette chaîne? Ici, là. Regardez ça. Tu connais cette chaîne-là? Ça, c'est Bloomberg. Ça, c'est la chaîne de l'argent, ça. Ça parle des investissements. Canadian Dollar. Donc, ça, c'est en anglais. Aujourd'hui, ça va vous dire que peut-être... les S&P 500. On parle ici du langage de l'argent. Tu dois savoir comment, qu'est-ce qu'on dit. Les comptes payables, c'est quoi les comptes recevables, c'est quoi les actions, c'est quoi les forex, c'est quoi le gain en capital. Ok, c'est quoi des pertes. Quand on parle de fiducie, tu dois savoir c'est quoi. Alors, tout ça, de l'or, de l'argent, silver, gold, copper, ils sont à combien? Est-ce qu'ils ont perdu la valeur? Est-ce qu'ils ont augmenté la valeur? Ainsi de suite. Donc, tu dois savoir tout ça. Tu dois vraiment savoir tout ça quand on parle de finances, ok? Alors, pour finir, je t'amène ici au tableau pour terminer. Et là, regarde, cette vidéo, il va y avoir absolument rien qui va être filtré là, ok? J'ai fait ça pour toi, pour te motiver, ok? C'est juste pour te dire que si tu es ici au Canada, on est en 2020, ok? On est en 2020. Là, je suis en tenue... du travail. Alors, ça c'est simahost.com. Ce nom de domaine, si tu vas regarder, il y a peut-être 11 ans, plus de 10 ans passés que je l'avais enregistré, ok? Tu dois avoir une vision. Maintenant, quand tu arrives ici au Canada, tu n'as pas une vision, tu es déjà foutu. Alors, commence. Si tu as oublié de le faire dans les années à venir, ce n'est pas encore la fin parce que tu es encore vivant. Tu es en train de respirer, ok? Donc, qu'est-ce que tu fais? Règle numéro 1, tu as déjà nettoyé assez pour les autres. Ou bien si tu ne l'as pas encore fait, tu dois passer par là. Ok? Tu dois passer par là.
Deuxièmement, le moment que tu es là, tu commences directement à monter ta boîte quelque part, là où tu vas nettoyer pour toi-même, que ce soit chez toi à la maison. Ce que j'aime avec le Canada, parce que tu peux commencer ton entreprise même à la maison. Aujourd'hui, il y a les gens qui travaillent en ligne. Il y aura toujours des gens qui travailleront en ligne. Il y a les gens qui travaillent hors ligne, comme moi. J'ai ici mon magasin. Ça, c'est un magasin familial. Je l'ai monté. Mais quand j'avais débuté, je n'avais pas ça. Je faisais du porte-à-porte. Je proposais mes produits porte-à-porte. Je faisais des réparations dans des maisons partout ici à Montréal. Okay? Donc, tu dois commencer quelque part. Tu dois accepter le fait que toi, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu montes ta boîte à côté. Et puis, boum, tu commences à apprendre directement comment investir. Okay? Les investissements. Alors, dans ce sujet d'investissement, étant que c'est vaste, on peut en parler en privé ou bien on prend un rendez-vous, mais tu viens ici entre 5h p.m. à 11h p.m. Tu viens, si tu es à Montréal, tu viens ici. Si tu n'es pas à Montréal, tu es partout au Canada, appelle-moi à ce moment-là, on va parler et puis je vais te donner des idées. Cette vidéo est faite aujourd'hui en français, je le ferai prochainement en anglais et peut-être en swahili, peut-être en lingala, ainsi de suite. Alors, comme je suis polyglotte, je parle plusieurs langues parce que c'est en faisant le business que tu peux avoir plusieurs sources de revenus. Je répète encore, en faisant le business, tu peux avoir plusieurs sources de revenus. Ici, parce que tu ne peux pas te baser seulement sur une seule source de revenus. Quand je parle ici, je vais tourner un peu la caméra. Alors, regarde. Je vais juste approcher un tout petit peu pour que tu puisses bien voir. Voilà. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Il faut développer ça. Quand je parle de plusieurs sources, je pense que tu connais cette compagnie-là. Ça, c'est Rakuten. OK? Ça, c'est Rakuten ici. Tu vois? Ça, c'est un chèque. Quand je dis que tu travailles online, tu travailles aussi offline. Tu peux faire les deux en même temps. Voilà. Donc, ça, c'est un chèque ici. Ça, c'est un chèque avec Rakuten. OK? Ça, c'est un chèque ici. Regardez. Tu connais cette compagnie-là, là? Ça, c'est un chèque. OK? Comme je disais, tu dois avoir des revenus multiples. Tu commences à développer ça immédiatement. Donc, ne perdez pas le temps. Parce que nous, on a perdu assez de temps, alors on fait des vidéos comme ça pour t'éviter les angoisses et les agonies des pertes de temps. Parce que ça te rattrape plus tard, ok? Regardez. Est-ce que ça, tu connais cette compagnie-là, là? Tu connais cette compagnie ici? Tu connais cette compagnie? Ça, c'est Western Union. Tu connais la compagnie? Ça aussi, c'est un chèque, ok? Quand tu regardes ici, qu'est-ce que ça dit? My commissions. Tu vois là-bas, c'est écrit my commissions. OK? Ça fait partie de ce qu'on appelle le revenu multiple. Donc ça, c'est Western Union, c'est un chèque, OK? Ça, c'est un chèque qui provient de Western Union. Et l'enveloppe, c'est toujours comme ça. OK? Ça, c'est l'enveloppe. Tu vois ici, c'est écrit Western Union, OK? Alors, comme je disais, en parlant rapidement des revenus multiples, et puis on va s'arrêter par là. Je peux te dire que tu peux avoir plusieurs sources de revenus, comme je l'ai écrit ici. Par exemple, moi, personnellement, j'ai Western Union. J'ai RIA. Ça, c'est pour les transferts d'argent. C'est des sources de revenus. J'ai la vente, donc mes ventes. Mes ventes, le chemin le plus rapide pour faire un 100$ par jour, c'est la vente. Okay? Je n'arrête pas de les répéter. La vente, tu dois apprendre comment vendre les choses. Arrêtez d'aller échanger l'argent pour, disons, le travail, là, tu vas aller échanger ton temps pour l'argent. Oui, au début, tu vas le faire, tu n'as pas le choix. Deuxième étape, tu passes directement en entrepreneuriat. Donc, tu es en train d'apprendre. Tu dois apprendre des choses. Là, j'ai parlé, par exemple, les Western Union, source de revenus, RIA, source de revenus. Marketing des réseaux. Ici. Marketing des réseaux. Je fais l'argent avec ça aussi. Alors, on va parler de quoi? On va parler de business en ligne.
Ça, c'est marketing par affiliation. Bientôt, je vais recevoir un chèque de CJ. Ça s'en vient, c'est en route, commission injonction. Donc, je te parle de plusieurs sources. Donc, l'argent coule de différentes sources, disons, différentes places, OK? Et peut-être, toi, c'est la job. Pour l'instant, tu as juste la job. Si tu as juste la job comme source de revenus, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Si tu as juste ça comme source de revenus. Donc là, je t'ai parlé des quatre. Western Union, RIA, mes ventes, ça, c'est trois. Marketing par affiliation, c'est quatre. Je parle de... Je peux aussi te parler peut-être de plusieurs compagnies comme la communication. Là, il y a Chatter. Si tu ne connais pas Chatter, c'est quoi? Tu peux aller googler ça. Ça, c'est une source de revenus pour moi. À part ça, il y a Bell Canada. Quand je parle de Bell, c'est toujours dans le domaine des communications. Et puis, je parle de l'immobilier, par exemple. L'immobilier, ça, c'est une autre source de revenus, que ce soit ici, peut-être au Canada, ou bien que ce soit dans ton pays, comme tu veux. Donc, tu dois attaquer tout ça. Ça va te donner vraiment une réussite ici au Canada. Et il y a des étapes à suivre. Si tu ne sais pas comment faire, comme je t'ai dit, ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas l'argent qui est vraiment un problème. Mais appelle-moi. Si tu veux savoir des sources de financement, si tu veux commencer ton propre magasin, si tu veux importer de la Chine, si tu veux mettre en place plusieurs sources de revenus, si tu veux commencer le marketing des réseaux qui va te payer des revenus résiduels. Résiduels, tout ce que ça veut dire, donc. Tu vas faire une vente une seule fois, mais à chaque mois, tu es rémunéré. OK? Voilà. Je termine ma vidéo. Alors, je pense que si vraiment tu as aimé cette vidéo et c'est la première fois que tu es ici à ma chaîne, je vais juste te demander de faire une chose. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est YouTube ici. Si tu es en train de me suivre sur YouTube, vraiment, abonnez-vous à la chaîne en faisant subscribe, mais aussi cliquez sur la cloche de notification. Et choisissez toute notification. Parce que prochainement, quand je poste des vidéos informationnelles comme ça, qui peuvent t'aider, et si tu vois que c'est vraiment une bonne information, partagez avec les amis, partagez aussi avec la famille, donc en faisant share. Donc share, c'est partager la vidéo. Partagez la vidéo en masse. Aimez aussi la vidéo. Donc quand on dit aime, donnez-nous des likes avec la vidéo. Si vous suivez sur Facebook, donc donnez-nous des likes. Parce que ça m'aide beaucoup, ça m'aide aussi surtout à propager cette vidéo partout sur Internet à cause de l'algorithme de YouTube et de Facebook. Mais aussi, ça va m'aider de dépenser moins en publicité. Donc, vous m'aidez énormément quand vous likez la vidéo, quand vous la partagez aussi. Merci d'avoir écouté cette information. J'espère que ça a été informationnel pour vous. Mais si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Appelez au 514-449-4821. Vous pouvez aussi me texter. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Telegram Messenger. J'écris toujours Telegram. Sur Telegram ici. Messenger. Alors encore une fois, le numéro, est-ce que vous voyez ici? C'est bien le 514-449. 48 21. Vous pouvez m'envoyer un texto aussi. Texto. Vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram Messenger. Ou bien vous pouvez m'appeler entre 5 h p.m. et 11 h p.m. Et là, on peut jaser. Merci beaucoup. Pendant cette période de coronavirus, protégez-vous. Restez en bonne santé. Et puis, innovez de plus parce que les temps sont durs maintenant. Et ils vont continuer à être durs dans les jours à venir. Donc, c'est à vous maintenant d'innover. C'est à vous de penser en dehors de la boîte. C'est à vous d'exploser vos idées. Donc, comme je le disais, vous voulez faire 3 000 dollars par mois? Ça dépend de vous. Vous voulez faire 10 000 dollars par mois? Ça dépend de vous. Vous voulez faire 5 000 dollars par mois? Ça dépend de vous. Vous voulez faire 30 000 dollars par mois? Ça dépend de vous. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place. OK? Si vous avez un mauvais crédit, ne vous en faites pas. Il ne faut pas que ça puisse vous ralentir. Parce que c'est tout simplement parce que vous n'avez pas l'information. Mais
Nous, on a déjà passé par là. Quand on fait des informations comme ça, on les donne en vidéo, c'est pour vous éviter les agonies et les angoisses dans les jours à venir. Alors, vous voulez réussir? Je vous le souhaite. Vous n'avez qu'à appeler, texter. Merci beaucoup. À la prochaine. Likez encore une fois, s'il vous plaît. Likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine.